Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du nouveau Monopoly Fortnite. Je dis bien le nouveau. Alors donc effectivement, voilà, faites attention si jamais des gens vous proposent et vous disent que c'est la nouvelle version. La nouvelle version, donc 2019, c'est avec ce personnage au milieu. Et puis faites attention aussi, il y a beaucoup de contrefaçons. Un produit officiel dispose du petit sticker, ici Fortnite, qui prouve que c'est un vrai. Donc, nouvelle version avec 27 nouveaux personnages, âge toujours pareil, à partir de 13 ans, bien sûr entre 2 et 7 joueurs. Derrière le plateau de jeu, la différence avec un Monopoly classique, je trouve que c'est un petit peu plus intuitif, puisque les billets sont remplacés par des jetons de vie comme dans le jeu. Vous avez également plus d'interactions sur le plateau avec des pièges un petit peu disposés partout et également un double dé, notamment ce dé-là qui met plus d'action, ce qui fait qu'effectivement il y a un peu plus de jeu. Allez, on va l'ouvrir pour voir ce que c'est. Donc c'est une découverte en réel, hein. Au niveau du plateau de jeu, vous voyez, hein, c'est un plateau à peu près traditionnel. Hop, rien ici. Dedans le mode d'emploi qu'il faudra vraiment lire, je vous le conseille, il est assez simple, notamment sur le fait que vous pouvez vous mettre un petit peu où vous voulez sur le jeu, et ça c'est pas mal. Je trouve que les jeux seront moins interminables que sur une partie de Monopoly classique. Alors ça c'est un truc en plus. Dedans nous avons notre plateau qui se déplie. Donc plateau de jeu habituel, hein, avec rien de plus, ni si ce n'est que d'habitude. Un petit tour pareil pour que vous voyez un peu les choses. Et dedans, nous avons nos personnages, donc la planche en fait à découper. Donc on a tous nos jetons de vie, nos personnages avec les skins ici. Donc c'est des petits jetons en carton. Alors ça par contre, pour 30 euros, ils auraient peut-être pu faire, c'est pas écolo, mais quelque chose un petit peu plus quali. Là, on a nos pièges. Les pièges que vous pourrez disposer un petit peu partout. Les stickers à mettre sur notre dé. Ça aussi, pareil, ça aurait pu être mis dessus quand même. Nos supports à jetons. Et le dé. Au niveau des cartes, donc, tu vois à peu près les choses. Donc, non, jeu sympa, jeu propre. Et je vous donne rendez-vous donc sur mon site pour en savoir un peu plus.